Allez, salam alaikum à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle journée en notre compagnie au Maroc. Regardez comme elle est gentille. Je crois que t'allais dire regardez comme elle est belle, mais n'importe. Oh. Elle s'est pas bien coiffée, alors on va pas dire qu'elle est belle. Elle n'est pas coiffée. Allez, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, là, de bon matin, on s'en va direction le centre-ville de on est où là, Ifrane, non pas pour le visite, juste pour aller chercher du cash et de l'internet, parce que moi je suis à 0 giga, parce qu'à 0 giga tu t'imagines bien que je vais pas aller bien loin. L'objectif c'est d'aller chercher ça pour pouvoir ensuite décoller. On va non pas en fait à de base j'avais dit que j'allais à Meknès et ensuite à Fès, mais je crois que la route en fait ça sera plus simple d'aller à Fès et demain à Meknès ou sur le lendemain, je ne sais pas combien de temps je reste, donc il faut que je voie ça après et puis après on y va. Bon allez, c'est réglé, on a les gigas et le cash et maintenant on y va. Bon, on n'est pas arrivé, on s'est arrêté sur la route, on a une demi-heure. Parce que Toutoune, elle veut acheter les tagines. Enfin, elle veut aller voir les tagines. Et là, il y a plein de chameaux, regarde. Enfin, dromadaire, hein. T'as compris. T'en as plein. Il y a tout plein, là. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ah oui, il y a des jeunes. Ouais. Ah, ils sont magnifiques, hein. Vraiment, c'est joli. Regarde les petits là. Quand on va en acheter un, on va la mettre en France. Bah ouais, si je laisse faire. Vas-y. On commence à acheter les souvenirs, hein, parce que... Bah on commence, ça y est, on a fini même. Ouais, enfin, on en avait déjà acheté, mais bon, là, on s'est arrêté, là, comme je t'ai fait voir. Je pense qu'ils vendent des chameaux et des tagines. Toutoune, ils vendent de tout. Si j'écoute Toutoune, elle a envie d'acheter un... une espèce de jarre pour l'eau en fait, ouais, pour mettre sur le ponton de la maison. Bon. Elle va me faire croire qu'elle va boire de l'eau de la rivière, moi j'ai envie de rigoler. Bah non, tu vas faire un filtre. Avec un filtre, ouais, ok, d'accord. Ouais, il y a encore un tagine dedans avec le majmar, mais il est en ferraille. Ceux-là, ils sont avec le majmar en terre cuite, quoi, enfin poterie, quoi. Alors pour info, ça, un tagine, on l'a payé, tagine avec le majmar, on l'a payé 10 euros. C'est vraiment pas cher. Hein. Et le plat à couscous que vous avez là, 5 euros. Alors on a vu toutes sortes de prix au Maroc, mais d'après ce qu'on s'est renseigné, d'après, on a fait le tour un peu avant de les acheter, c'est à peu près dans les prix là, on est bon. Vraiment, le tagine seul, tu peux le trouver comme ça à 5 euros. Bon bah finalement j'étais en recherché encore un. Ça m'en fait 4.
Ouais, bah écoute, hein, c'est les souvenirs. Enfin, c'est des cadeaux. Hein. Ça fait plaisir aux gens qu'on connaît, et puis voilà. Ils sont pas très chers ici, alors on en a pris 3. 3 et on en avait acheté un à Agadir. Mais il est un peu plus gros encore. Ouais, ils vont être contents, hein. Bon, voilà, nous sommes arrivés à Fès. Alors, chou blanc sur le premier spot, c'est-à-dire qu'en fait, de l'autre côté du parking, là, vous avez, ça, c'est un nouveau parking. En fait, c'est un parking qui vient d'être construit il y a quelques temps, quelques jours, j'en sais rien. Enfin, moi, j'habite pas là. Et ce parking, si tu veux, le truc que je t'explique, c'est que avant, tu avais l'ancien parking à caravane qui est en face. Il y a un petit gars qui nous l'a dit, hein, je vous l'invente pas, hein, c'est juste la personne d'un local du coin là, qui était en train de me voir galérer avec le parking qui est venu me voir et qui m'a dit c'est l'ancien, il y a le nouveau en face. C'est un peu un parking municipal en fait, hein, il y a le ticket d'entrée et tout le bordel, donc c'est pas un parking, mais après c'est gardé, hein, c'est complètement sécurisé là, on est bien. Hein. Là on est tranquille. Hein. Donc je me suis mis là. C'est un peu plus cher apparemment, mais bon, de base j'avais vu 120 dirhams la nuit, donc 12 euros la nuit. Qui n'était pas bon marché par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Hein. On est juste à la porte de la Médina. La Médina se trouve juste de l'autre côté. Et bon, bah, on va voir. Là, on va manger un petit truc dans le camping-car. Et puis ensuite, eh ben, on va aller visiter. Alors, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour la journée, c'est de me mettre sur ce parking. Hein, parce que sinon, tu as un camping à l'entrée de Fès. Qui se trouve complètement à l'opposé de la vieille Médina, ce qui inclut donc de prendre des taxis pour te déplacer. Donc finalement, je pense pas que tu gagnes grand chose. Bon, en confort peut-être, et encore que. Mais sinon, bon, ce parking fait bien l'affaire. Alors il n'y a aucun service, hein, c'est qu'un parking, mais peu importe, nous ça nous ira. Vu qu'on est, on n'est pas à l'agonie au niveau de l'eau ni au niveau des cassettes, donc il n'y a aucun problème. Ça tiendra encore un petit peu. Par contre, demain, si jamais je reste pas ici et que je commence à partir déjà sur Meknès, je n'ai pas non plus trouvé spécialement un camping près de ce que je veux visiter. Donc ça fait qu'il va encore falloir que je tienne une journée de plus. Alors je ne sais pas, on va voir. Par contre, ensuite, Chef Chaouen, là, on sera en camping. Regarde le Bob l'éponge à Alia comme il rentre. Nickel, il a trouvé sa place. Putain, c'est pile poil la taille. Incroyable. Il est bien là. Bon, c'est à moi maintenant. Alors, on y va. Regarde l'auto-école, t'as vu? C'est loin de ce qu'on connaît. Hein. Allez, on y va, direction la Médina. On a repéré pas mal de choses à visiter, hein, à voir. On y va. Bon, on arrive par cette petite porte dans la Médina. Il y en a deux autres, bien plus jolies. C'est pas grave, on va rentrer par là. C'est autre chose que... Ouais, c'est assez bruyant. C'est assez bruyant, ça bouge partout. En plus, il y a des travaux pour rien arranger. Après, comparé à hier, c'est purement... C'est vraiment très très authentique. Ah, t'es arrivé à la partie du souk où ils font le cuivre. Regarde,
Bon, oh, Lyol, un petit éventail, hein, 50 dirhams, négocié à 30, hein, t'es obligé. Mais en fait, s'ils veulent pas, tu t'en vas. Et ils te courent après. C'est les techniques. Ah, ben s'ils te courent pas après, c'est que c'est pas intéressant pour lui. Ah, passez par là. Ouais, c'est comme ça ici. Mais après, ils sont. C'est pas méchant en fait. C'est dans leur culture et c'est. Et c'est le jeu. On va dire que c'est comme ça. Et ils sont jamais. Ils sont jamais fâchés. Hein. Ils concluent l'affaire, ils te serrent la main, ils te donnent le truc. Aucun problème. Mais ça change de chez nous, ça c'est sûr. T'as envie ? Non, merci. Non ? Il a dit la tramerie, il y avait l'or. Il y avait une vache. Ah ouais ? C'est ça qui pue ici. Bon, là on est arrivé aux tanneries. Alors c'est quelque chose de... Tu vois, à la rentrée ils te filent de la menthe. C'est le masque à gaz en gros. Hein. Parce que ça pue, mais violent. Hein. Enfin, c'est quand même un peu supportable, hein. C'est pas non plus... Mais c'est assez fort. Tu vois les ouvriers quoi. Là c'est les colorants. Et là tu vois quand les pots ils arrivent de l'abattoir. Non pas là, attends, je me suis trompé de bassin. Quand les pots elles arrivent de l'abattoir. Et là ça pue. Elle marine là-dedans. Ouais, ça fait des jolis sacs que t'as là. Hein. Mais de base, ça marine dans de la fiente de pigeon, il m'a dit. C'est un truc naturel. En fait, de l'abattoir, elles arrivent ici. Ouais. La peau. Oui, oui, la peau arrive d'ici. Enfin, elle marine là-dedans, ouais. Comme il t'a expliqué. De la fiente de pigeon, des bacs de fiente à pigeon là-bas. Là. De toute façon, on vient d'entendre les remonter. C'est à voir en vrai. C'est à voir. C'est assez, assez impressionnant quand même. C'est vraiment à l'ancienne. C'est un peu incontournable hein, si tu viens ici hein, de venir voir ça. Hein. Putain, mais t'as les gamins, ils plongent dans l'eau là. Ils se nettoient là. Le travail doit être rude quand même. Maintenant, franchement, là, on se plaint des fois, mais je suis bien planqué dans ma petite usine moi. Putain, respect quand même à ceux qui travaillent là-dedans. Hein. C'est quand même... Il y a une grande fierté qui s'habite un commerçant. Je peux pas rentrer là. Oh là c'est le mausolée, mais si t'es pas musulman tu rentreras pas, hein. C'est interdit. Ouais c'est pas grave. Thank you.
parce que le Maroc il va gagner les JO. Ah là, ça va nous apporter bonheur. 1-0 contre l'Espagne déjà. C'est bon? Attends. Allez, bim. Allez, à plus sourire, bim. Oh, toujours aussi sympathique les gens ici. T'as vu le monsieur? Bon, acheter un petit sac à 5 balles, c'est rien du tout, mais bon, il était super content. A trouvé la théière, hein, Toutoune a trouvé sa théière. Avec 6 verres du Maroc pour 25 euros, bon, ça va. Bon, on est de retour sur le parking. On va retrouver le camping-car. Alors, c'était une après-midi bien, très bien. Franchement, c'est pas mal. C'est à voir. C'est très joli. T'as des saveurs dans tous les sens. Et bon, c'est très vivant, forcément. Hein. Comme tu l'as vu sur les vidéos. C'est fatigant. Là, on est un peu fatigué. Et puis, on va retourner manger après. Mais on va pas aller certainement pas dans le souk. On peut pas manger dans le souk. Hein, c'est pas pareil. On va essayer de trouver une table, un truc. On va aller manger. Par contre, ouais, non, si, je te le conseille vraiment de le faire. C'est bien. Le souk de fesses, c'est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment, vraiment sympa. Attention, elle va nous faire des vidéos incroyables pour son chaîne YouTube. Je vais pas faire des photos. Regarde qu'on va bien garer avec les sapins, quoi. Regarde. Hey. Ça. Ça, c'est du beau. Ça, c'est bien fait, ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, bah, comme fin de journée et comme fin de vidéo pour vous, eh ben, on va aller au restaurant parce qu'il nous reste du cash et qu'il faut qu'on le liquide, hein. Et puis surtout, on va se faire plaisir de manger à bon prix avant de rentrer dans des pays, bah, l'Espagne en l'occurrence, un pays européen où bah, le pouvoir d'achat, eh ben, il sera beaucoup moins important, il sera multiplié par 2. Et un restaurant, ça sera 60 euros. Et ça fait un petit peu mal aux fesses des fois. J'ai du mal aux fesses. À fesses. Bon, allez, on va manger. On est bien là? On est bien là? Un peu. Hein? On va t'accueillir avec une petite soupe. C'est une spécialité marocaine. Ouais, bah ouais. Tiens. Hop. Tagine avec un petit accompagnement de frites. La dernière fois, ils étaient séparés, mais bon, c'est pas grave. Bon, on sort du resto, ma petite toutoune. Ouais, bon, c'était bon, mais un peu moyen. Ouais, un peu moyen. On pensait que c'était mieux. Pourtant, on était bien noté. On avait regardé sur Google 4,7 sur 5 avec beaucoup d'avis. Du coup, on s'est dit ça va être fantastique. Au final, ouais, bof, hein, c'est un peu. Bon, on a vu mieux. Hein. On a vu mieux dans les bubis. Alors, t'es accueilli avec la soupe, super bonne. Vraiment, vraiment pas mal. Puis après, c'est un peu retombé, quoi. Le tagine au citron avec des frites dedans, bon, 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 tant pis. Et puis, bah, Alia, hein, elle nous a pris une. Elle s'est crue en Italie. Elle s'est crue en Italie, elle a pris une lasagne. Bon, bien sûr, elle l'a pas fini, hein. J'ai goûté. C'est des Marocains, c'est pas des Italiens, hein. Bien compris, hein. Mais bon, non, bon, assez moyen. On n'a pas passé de mauvaise soirée, attention. Mais on pensait mieux manger. Enfin, c'est pas grave, on a le ventre rempli, c'est bon, t'inquiète pas. C'est le principal. Bon, bah nous, on va rentrer au camping-car. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bah, à demain. À demain pour une prochaine vidéo. Une nouvelle journée avec nous ici au Maroc. Des bisous.
Allez, on rentre à notre maison. Des bisous. Bon, j'y pense, j'allais coucher. J'ai dû lui porter la poisse au mec. Le Maroc, il a perdu 2-1 face à l'Espagne, au JO. Merde. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.